Salut à tous, c'est Idan, on se retrouve pour cette cinquième vidéo, ce cinquième let's play de Metal Gear Solid Ground Zero. Donc la dernière fois je vous ai laissé ici. Oh, il y a quelqu'un qui a fait une grille là. Oh putain, il m'a grillé. Merde. Oh là là, les fous. Ah, la cible est morte. Dommage. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Je pense que ils m'ont envoyé une super roquette dans la tête. Donc on va réessayer quand même d'amener Paz là-bas. Oh là là, on revient jusqu'ici en plus. Oh, pas mal la séquence d'action là. Ah, je suis amoureux. Oh, ça c'était excellent. Bon, on n'est plus très bien dans le dans l'infiltration de Metal Gear, mais en même temps, c'est pas de Solid Snake qu'on a, c'est Big Boss quoi. C'est quand même le bœuf quoi. On n'a pas la petite tarlouse. Bon, et si on essayait de se barrer, comme je vous l'avais dit, un petit peu là-bas. Voilà. Allez, nous on est des fous, cassez-vous. Quelle manipulation, la gestion du véhicule. Oh, elle est horrible. Allez, on va faire le tour de la... Le tour de la base avec, avec Paz à l'intérieur de la petite Jeep. Donc on se souvient de l'endroit là-bas où on a délivré Chico. Donc on devra pas tarder à revenir au début de la map. Là où on a commencé la mission, c'est là où on va la finir. Oh, par contre la manipulation des véhicules, elle est quand même assez lourde. On sent que c'était pas forcément prévu pour. Allez, viens là. Ouais, moi je suis un fou moi. Oh là. Et là, sur la map, on va appeler le petit Nélico avec L2. Bah oui, là. Merci. Maintenant, on va mettre l'arme.
Et on va défendre la position jusqu'à temps qu'il arrive. Ah, me dis pas que c'est le garde que j'ai endormi en début de. En début de mission, le gars il dort encore. C'est un peu abusé. Par contre, on voit bien toute la base quand même. On a quand même une sacrée vue sur PS4. On a une large vue. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Ouais. Ils courent tous, ils sont tous à l'affût, à l'affût. Mais where is Snake? Eh ben, je suis là. Bon, c'est un peu facile de quitter la map comme ça. Bon, alors, en tout cas, on a retrouvé pas assez vite. Oula, en fait, il y avait un gros tank. J'aurais pu m'en prendre plein les roupettes. J'aurais pu m'en prendre plein les roupettes. Je vais dire, where is l'hélico? Allez, viens là, toi. Ouais, elle est quand même assez amochée, et lui, elle prend comme un bourrin. Yalo. Est-ce qu'on peut recharger? Ouais, pas mal, quand même. Allez. Mettre dans l'hélico. Et nous, on va monter dans l'hélico. Voilà. Fin de la mission. Fin de la mission. Bon, cette mission, si on la fait d'une traite, elle peut être vraiment, vraiment courte. Bon, je pense qu'on peut encore s'amuser un petit peu parce que nous ne sommes pas allés dans ce coin là-bas. On a visité un peu là-bas, mais là-bas, on n'a pas trop vu ce qu'il y avait. On aurait peut-être pu mettre du C4 sur le tank pour essayer de le détruire. Voir si on pouvait le détruire avant de partir. Ça aurait pu. Il y a moyen de faire des choses rigolotes. Donc là. Rancé, forcément. Je me suis fait. Voilà. Alerte ennemie 5 fois. Donc là, on prend des points en moins. Mort 12. Il y a eu 12 morts. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un jeu d'Hideo Kojima. Plus on tue, moins on a de points. Et pire c'est quoi. Prisonnier sauvé 5, je pense qu'il y a moyen d'en sauver de plus. Nombre d'essais 4 forcément, parce que bon, je suis mort 2 ou 3 fois je crois. Et puis temps de calmer la. Temps de d'éteindre la console pour faire autre chose et de reprendre la mission, je pense qu'il nous compte comme un nombre d'essais. Sans mode réflexe, il y a moyen de le faire sans mode réflexe. On n'est pas non plus obligé de le faire avec le mode réflexe apparemment. Donc ça pourrait être pas mal. Ah donc comme vous avez pu voir la petite séquence la petite Snake. Le petit truc qui fait comme si Snake. Je vais réussir à trouver mes mots quand même. Ouais, le petit affichage qui fait qu'on peut pas partager des séquences cinématiques pour pas spammer. Donc moi je ne vais pas non plus vous spammer, donc je vais couper la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao, c'était Idan. On se retrouve.